m'appelle David Guèze et je travaille depuis 15 ans sur l'art lié aux nouvelles technologies. Et je développe plus particulièrement un travail sur le temps et la mémoire, avec notamment une série que j'ai développée qui s'appelle 2067, qui sont des objets, qui sont des machines à remonter le temps, et tout un travail sur la mémoire, dont le travail que je présente ici, qui s'appelle Disque dur papier. Un projet sur l'obsolescence et j'ai réalisé donc un disque dur papier qui est un livre qui sauvegarde l'entièreté d'un film dans son code binaire. C'est-à-dire qu'en fait on a un livre de 700 pages qui contient une suite de 0 et de 1 et si on rescanne chaque page on retrouve le film vidéo de La Jetée de Chris Marker. Donc le film en question c'est La Jetée de Chris Marker. Pour réaliser un livre qui contient l'entièreté d'un film, j'ai été obligé de réduire le code binaire à une taille de police miniature, c'est-à-dire que la taille de la police est environ de taille 1. Et ainsi, j'ai réussi à faire tenir tout le film dans un livre de 600 pages. Donc mini-miniature dans le fait que les 0 et les 1, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est pour ça qu'on a une installation où on va avoir le livre et derrière des leds qui représentent ces 0 et 1, une partie de ces 0 et 1. Mais ça a été toute une problématique de faire tenir le code dans un livre entier. Et pour ça, pour vous donner un exemple, pour faire tenir la taille d'un DVD, il faut 100 volumes. Et là, j'ai réussi à faire tenir un film qui dure une vingtaine de minutes, donc là, jeté, dans 600 pages, en fait, en le miniaturisant.